Alors, nous revoici aujourd'hui avec Pascal Gillet-Hervé. Bonjour Pascal. Qui vient nous présenter son troisième livre aux éditions Chloé Delis. Voilà, alors elle va nous expliquer de quoi ça retourne. Donc Pascal, ce troisième livre, tu as eu une idée, j'imagine que ça a germé. C'est venu comment ? En fait, mon troisième roman, donc Le Bic et les Pierres, est né d'une rencontre, celle d'un petit garçon que j'ai rencontré au Congo lors d'un voyage humanitaire en 2020. Oui. C'est un petit garçon que je n'ai pas du tout connu, avec lequel je n'ai pas parlé parce qu'il ne connaissait pratiquement pas le français et moi je ne connaissais pas sa langue maternelle. Voilà. Donc, on s'est croisés comme tous les gens qu'on croisait là sur place, des petits sourires, des petits regards, des petits clins d'yeux, c'est tout. Et puis, en rentrant en Belgique, en regardant mes photos, je me suis aperçue qu'il était sur pas mal de photos, que ce soit de dos, de profil, n'importe quoi, dans un groupe, n'importe quoi. Et en réalité, je me suis rendu compte que c'était un petit garçon qui m'a suivi pendant tous mes déplacements quand j'étais là, mais il était tellement timide et discret que je ne l'ai même pas distingué dans le groupe de petits-enfants qui d'accord. me suivaient. Oui. Donc, je ne m'étais pas rendu compte qu'il était important pour moi. C'est en regardant les photos, et d'ailleurs j'ai des photos de ce petit garçon-là que j'ai pris tout à fait. Donc il était parmi plein d'autres petits-enfants. Oui. Et il se fait qu'il est même de dos sur plein, et il y a encore plein d'autres photos comme ça. Ah, c'est comique, oui, tout à fait, c'est d'avoir eu un petit admirateur. Voilà, oui, et sans le savoir, puisque je n'en avais pas parlé. Et alors, en voyant les photos, j'ai regretté tout de suite de ne pas l'avoir connu, de ne pas avoir connu sa vie, et qu'il n'ait rien su de ma vie non plus. Voilà, oui. Donc, c'est pour ça, c'est vrai, et c'est vrai, c'est vraiment l'idée. Je me suis inventé une relation intime avec ce petit garçon-là. Ah, c'est chouette. Donc, c'est totalement impossible puisqu'on n'avait rien de commun. Oui, oui. À aucun niveau, ni culturel, ni tout ce qui nous entoure. Mais c'est vraiment, le livre, c'est vraiment ça. C'est vraiment la relation entre un petit garçon africain et une femme, genre de mon âge ou un peu plus jeune. Voilà. Donc, c'est de cela que vient l'idée. Oui, donc c'est une rencontre qui a eu lieu, mais qui aurait pu être autrement. Voilà, et donc, tu l'as rendue plus riche en imagination. Vraiment. Enfin, tu l'as enrichie, tu l'as créée finalement, voilà, parce qu'il y a eu le déclic, mais il n'y a, a rien eu dedans. C'est vraiment juste. Oui. Ah, mais c'est intéressant. Et alors, j'ai vu que ta couverture, elle est... Bon, elle est... Ah oui, au fond, pourquoi le bic et pourquoi les pierres? Tu peux le dire ou tu ne peux pas le dire? Oui, je peux le dire. Sans... En fait, le bic, c'est... Le bic qui est là sur la couverture, c'est le mien, c'est mon bic que le petit garçon aurait sans doute voulu garder s'il avait osé me le demander. Oui. Parce que c'était ça, la relation, il était tellement timide, discret... Et chaque fois qu'ils voyaient les biens qu'on avait, ils avaient envie de ça. Oui. Et les pierres, ça c'est une question tout à fait personnelle, c'est quelque chose à quoi je tiens personnellement. Ce sont celles qu'on ramasse au sol, qu'on met en poche en souvenir d'un lieu ou d'une rencontre qu'on a partagée. Ah oui, d'accord. Donc, mais en lisant le livre, bien sûr, vous aurez plus d'explications. Oui, mais évidemment, il faut lire le livre quand même. Je ne vais pas tout dire là. Eh bien, voilà, Pascal, je souhaite bonne chance à ce nouveau livre. Merci. C'est déjà le troisième. Les deux premiers ont bien marché, ils ont beaucoup plu. Oui. Et donc, j'ai vu que tu avais déjà d'ailleurs des bonnes réponses pour celui-ci. Oui. Il est à peine sorti de presse, il était déjà encore chaud, il sautait dans les mains des gens. Donc, ben voilà, je suis contente de t'avoir rencontré aujourd'hui et je te remercie d'être venu. Une deuxième fois, avec plaisir. Oui, voilà. Eh bien, voilà, on souhaite bonne chance à Pascal et à son livre « Le Bic et les Pierres ». Merci beaucoup. Merci à Chloé Delis.